Salut à tous, c'est Skylor et on est reparti pour la suite de nos aventures sur Resident Evil 7. Alors ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, je sais plus du tout. Il me semble qu'on avait réussi à sortir du manoir et atterrir dans la caravane du milieu du jardin. Bon bref. Du coup, on est reparti, on verra bien ça ensemble. Allez go! Donc voilà, on était de retour ici. Ah, d'accord. Donc on était de retour ici. Alors, ici. Ok, donc on avait la fameuse tête de chien. Ok, tac tac tac. Donc on peut sortir dehors normalement. Ok, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le flingue, simplement. Là on est d'accord qu'il n'y a rien. On est d'accord qu'il n'y a rien. Bon. Allez, on y va. C'est vrai qu'il y avait mamie. Mamie! Coucou mamie! Ok, qui avait le raccourci par là, si je me cours pas. J'ai battu l'eau, donc du coup maintenant j'ai le droit de sortir. Yeah! Alors moi je vais aller à l'intérieur parce que je pense. Yeah! C'est une safe zone! C'est bien ce qui me semblait. J'en avais entendu parler vite fait. Ici c'est quoi? Ok, la famille des Baker. Il est trop tard pour eux. Ouais. Oh, un magnum. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Un soutien-gorge qui peut être à Zoé? Mais pourquoi? Ok, d'accord. Ok, un point de sauvegarde, ça sert à rien. Là, il y a quoi? Un pistolet cassé qui m'a l'air, somme toute, plutôt pas mal. Hein. Ah. J'en ai combien de... Parce que j'ai vu que j'avais des pièces antiques. Mais ça, on va le foutre à l'intérieur, hein, puisque dans tous les cas... Faut un kit de réparation. Le problème c'est que j'ai aussi le fusil à pompe qui était cassé là-bas. Là c'est 3, c'est des stéroïdes. Ok, ça c'est pour augmenter. Donc augmenter les deux barres, ok. À l'intérieur, de la bouffe, normal. Ici. Mon corps est de plus en plus bizarre, je serai comme papa et maman. Tout est de sa faute. Est-ce que je dois m'enfuir? Non, impossible. Elle s'en rendra compte et elle me tuera. Cette femme qui l'accompagnait, Mia, elle sait quelque chose. Si j'avais le sérum, je pourrais me soigner. Il faudrait que j'en sache plus. Ok. Elle devient glauque cette histoire. Et ici, bon, j'ai pas de cassette, donc c'est pour regarder les cassettes. Donc, on s'en fout. Faudrait peut-être explorer dehors. Sortir. Oui. Et moi aussi. La vieille maison est au bord de l'eau. Je ne peux pas la rater. Ok.
J'espère que tu pourras échapper à ta mère. Ta mère ? J'espère aussi. Sois prudent. Ils vont être après toi. Bon, déjà, l'autre couillon, il est plus là. Déjà, il est mort. C'est déjà pas mal. Ça veut dire j'en ai un en moins. Ok. Normalement, potentiellement, j'ai moins de chances d'avoir du... Je peux pas avoir une lampe. Pas moyen d'avoir une lampe, histoire que je regarde un petit peu. Ah, un crochet. Il faut que je fasse gaffe parce que du coup, j'ai pas beaucoup de place dans mon inventaire, moi. Alors... là aussi, il y a des trucs... Non... J'explore un petit peu, hein, parce que, bon... c'est-à-dire que c'est un petit peu un survival, donc... tu vois, j'avais dit. Donc du coup, il doit bien y avoir des trucs. La poudre à canon, c'est ça qui est bon. Ok, donc... Par là... On voit que dalle, tu peux pas allumer ta lumière? Il n'y a pas un bouton pour éclairer? Ok, d'accord. Ça c'est quoi? C'était quoi ça? Du supplément, des comprimés. Peuvent être transformés en médicaments. Ok, d'accord, donc c'est avec les compléments. Ok, d'accord. Charmant. Très charmant, dis donc. Ok, deux clés. Je peux pas encore entrer ici. Ok, tata, donc ça c'est blindé, ça c'est blindé. Ok. C'est verrouillé de l'autre côté. Ok, pas de soucis. Qu'est-ce que c'est que ça? De la poudre à canon encore? Voilà, tata. Et par là. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. Ah putain, c'était l'endroit où j'étais avec Mia la dernière fois en vidéo. Pas tout de suite. Je pense que c'est la suite par ici. Ce qu'on va faire, c'est déjà y retourner, voir construire ce qu'il faut faire. Il n'y a rien ici. Bon, on va faire ce qu'on a à faire. Alors, on a de l'herbe, on a de la poudre, de la clé scorpion, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, avec l'herbe, on peut rien faire, donc on peut jeter l'herbe. La poudre à canon. Ah, bah, il y a du fluide chimique, oui, on n'a pas de fluide chimique. Bah, on peut tout jeter. Enfin, jeter. Tac, tac. Ok. La bouteille de soin, on la garde. Le couteau, c'est important. Ça, on garde, ça, on garde, ça, on garde. Par contre, le crochet, je l'utiliserais bien. Il y avait. Là où on était juste avant, là. Il y avait un endroit qui était bloqué avec un crochet. Maintenant qu'il n'y a plus aucun danger dans cette putain de baraque, on s'en fout. Mis à part mamie qui est là, qui est en train de nous lander encore. Mamie a disparu. Bon. Écoute, mamie a disparu. Hein. C'était ici. J'aurais peut-être pas bouffé tous mes crochets, mais on sait jamais. Oh bah. C'était somme toute efficace. Ça c'est quoi déjà? Ah d'accord, oui, c'est vrai. Bon voilà, bon on est suréquipé. Maintenant, il nous reste plus qu'à aller dans l'endroit mystérieux. Que là, de toute façon, il n'y a plus grand chose à faire. J'aurais bien claqué un psychostimulant. Je le ferai hein, entre les épisodes pour vérifier s'il y a que. Mais c'est pas une plante, ça. Je vais pas vérifier ici. J'ai tête de cul, moi. C'est quoi, ça? Voilà. Il y a quoi dedans?
Tu avais dit qu'il y avait quelque chose. Vas-y, maintenant que tu mets ta lampe, toi. Un kit de réparation. J'ai eu peur, je croyais que c'était... Faut que j'arrête de stresser, pas de naver comme ça. Ah, ok, ouais, il y a vraiment que dalle par ici, ok. Ok, ok. Ah! Ah, il y a quelque chose à mettre ici pour ouvrir le coffre. Avec un espèce de set qui a été gommé. Ok. Bon, bah, il faut une pièce, je sais pas quoi. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on répare maintenant? Je pense qu'il serait mieux de réparer le flingue, hein, parce que honnêtement. Par contre, le magnum, je le veux. Hein. Donc il me faut 9 pièces. Et parce que je me suis renseigné un minimum. Et c'était les pièces antiques là. C'est pour ouvrir ça. Donc ok. Moi je veux réparer le flingue. Ça me semble mieux de réparer le flingue. Plutôt qu'un fusil à pompe. Enfin fusil à pompe on en a déjà un. Donc on va réparer le flingue. Parce qu'à mon avis il est meilleur que celui-là. Ça c'est un G17. Et ça quand on regarde... Il a l'air d'être quand même vachement mieux. Hein. Allez, combiner avec ça. Relativement puissant, bien qu'en mauvais état, peut encore servir. Voilà, nickel. Il me reste plus qu'à utiliser mes 10... Oh, oh, ok, au pire, je t'en fous. Est-ce qu'on peut pas dissocier ça? Non. Non, bon bah écoute, on va laisser ça comme ça. On va la laisser en touche haut, droite et gauche. Là on est bien. Là on est bien. Par contre il a que 7 balles. Par contre il a l'air d'être mieux quand même. Bon bah on est parti, on a passé un quart d'heure à se préparer, mais maintenant on est prêt. Le mec il flic mais pour tout et n'importe quoi. Bon. Alors. Bonjour les poupées. C'est gentil les dolls. Génial. Cool. Ah dégueulasse. Ok, y'a rien d'autre, y'a rien d'autre. Tu peux pas mettre ta lampe? Putain, je suis super sombre, c'est incroyable. Bon. Qu'est-ce que je vois là? Oh, je suis dans un monde de bestioles. J'en entends. Là. Je vous entends. Je sais pas où est-ce que vous êtes, mais je vous entends. Oh putain. Ok, bon. Ah. Un lance-flamme, oh mon dieu. Ça, c'est bon, ça. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Mais on est d'accord que je peux pas passer, là, c'est un essaim. Mais non, arrête tes conneries, je peux pas passer. Ok. Putain, avec l'autre qui était là la dernière fois, là. Faisait stresser. Comme un con. She's upstairs. Don't go up. Ok, donc là, il y a encore la boule infernale. Normalement, si je m'en approche pas... pas, ça me fait rien, voilà. Par contre on va se mettre accroupi parce que ça pue la merde cette histoire.
on est d'accord. Là, on peut toujours pas y aller. Ah, oh, putain, il y a une caisse. Là, il y a rien. Ouais, là, il y a rien, mais... Une caisse qui est juste là. Est-ce que... Non, 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 ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir. Ça a rien. À mon avis, il faut le lance-flamme. Par contre, attendez 30 secondes. Mieux. Oh bah putain. Oh, j'avais pas vu ça. Excusez-moi, je viens de régler ma luminosité parce que je voyais vraiment mais rien du tout. Et l'autre, il éclairait pas avec sa lampe. Je sais que le principe, c'est de pas voir, mais quand même. Ok, donc la dernière fois, l'autre, mamie, elle était en train de nous pourchasser. Le plan de la maison, ce qui fait que... Yeah! Alors... Voilà, au moins j'ai plus la vieille folle qui me poursuit. Ce qui est déjà pas mal. Là, il y avait le truc de la dernière fois avec Mia. Où il fallait trouver l'araignée. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, vous êtes comme ça, vous! Ça, ça sent la safe house. On va regarder de l'autre côté. Du fluide chimique, mon gars! Ça, c'est bon! Alors, bon. La safe zone. On est d'accord, c'est une safe zone. Oh! Oh, génial! Oh, génial, c'est magnifique. Ok, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, mais c'est toujours la même chose. Par contre, j'ai récupéré du fluide chimique. Donc le brûleur, on va le mettre là. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ah, pour l'instant, j'ai pas consommé tant de balles. Donc on va juste sauvegarder. On va juste sauvegarder et puis on va essayer d'avancer. Ok, ta 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 ta. Oh merde. Ok. Vas-y, venez. Voilà. Et le dernier. Je vais pas consommer mes balles pour des... Pour des moucherons, hein. Sans déconner. M'avait pris pour un bleu. Ok. Ok. Du combustible, génial. Ok, donc ça je peux pas y aller. Des cartouches de munitions. Est-ce que ça, ça me mène à... Ah, ça me mène au séjour, ok. Donc, ce qu'il y avait déjà. Ah, putain, il me faut un crochet. J'aurais dû garder mon crochet de tout à l'heure. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Hé, hey, j'arrive à les avoir, hein. Nickel. Putain, j'ai essayé ça au pif et ça marche. Génial. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Du combustible et ça? Ok, d'accord. Pour l'instant, somme toute, pas intéressant. J'aurais peut-être dû jeter mon fusil parce que... J'entends des bruits pas très nets. J'ai entendu des bruits pas très nets. T'es où ça, l'enfoiré de merde? Viens là. J'en ai entendu d'autres. Il y en a d'autres. Je le sais, il y en a d'autres. Je deviens trop parano, quoi. Tiens, regarde si je deviens trop parano. Voilà. Ah merde, et l'autre. L'autre couteau, pareil. Il n'y a pas besoin d'être accroupi. Alors, une maison. Avec un injecteur. Ah, c'est pas ce qu'il disait pour le brûleur plus injecteur, les combinés, ça fait le lance-flamme? Oh, 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 oh. Ah, faut retourner dans la safe house. Putain, c'était là-bas. Bon, ici, on peut rien faire, on est d'accord. Là. Il y avait pas ça tout à l'heure? On court!
putain. Oh, les allers-retours, j'aurais même pas dû y aller en premier lieu, tiens. Alors, direction la safe house. Allez, cours plus vite que ta vie. Hop là. Alors, donc on va acheter ça, on va acheter ça. Le combustible, on le garde. Tabadabadabada. Il y avait un brûleur. Et normalement, si tu fais brûleur combiné... Ah, brûleur combiné avec ça, ça fait un lance-flamme. Oh, génial. Donc ça veut dire que lance-flamme, mon gars. Ah, c'est bon. Ah, mais le combustible, c'était peut-être pour... Ah non, c'est pas des munitions. Je suis con. C'est ça. Faut peut-être ajouter du fuite chimique ou un truc comme ça. Bah, on va tout prendre pour voir. Fuite chimique fort. Des suppléments, de l'herbe et de la... Ah, je peux pas prendre de la poudre. Bah, on va prendre qu'un seul fuite chimique et on va prendre toutes les poudres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Des psychostimulants, pas intéressant. Des grenades, mais j'ai pas de lance-grenade. Des grenades incendiaires. Mais non, mais j'ai pas de grenade, moi, il me faut... Voilà, c'est ça, c'est du combustible. Bah, on va faire ça une fois. On va faire une troisième bouteille, on sait jamais. Puis le reste, on va le refoutre à la belle. Hop, tac, tac, tac. Voilà, comme ça, j'ai des munitions pour tout le monde. Et c'est bon, c'est reparti. Ah, on se sent mieux avec un lance-flamme. Avec un lance-flamme. Bon, du coup, on va faire le ménage. Par contre, j'ai pas bien compris pourquoi il y a ça maintenant. Il me semble pas que la porte du séjour... Ah! Donc là, il y a la safe house. On va essayer de repasser par l'autre pièce. Parce que si je passe là, voilà. Ça va péter tout seul. Ça va péter tout seul. Il n'y a pas besoin de plus. Là, il y a quoi dedans? Là, ouvre. De l'herbe pourrie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse... Bon, allez, faisons-nous plaisir. Yeah! Je suis pyromane. Aïe! Et genre... Attends, foutez de ma gueule. Mais vous aussi, allez vous faire... Oh! Ah, il est pas encore mort! Ah, là, c'est mort? C'est bon? Puis là aussi? Oh, vous êtes sérieux. Voilà. Alors, dedans, il y a quoi? Du combustible, mon gars? J'ai du combustible à volonté. Ok, donc du coup, on peut passer par l'autre côté maintenant. L'autre côté où... on verra bien ce qu'il va y avoir. Hein. Et du coup, maintenant, je peux y passer sans souci. Ok. Eh, bonjour. Je viens désherber. Enfin, pas désherber, mais... Allez, pète. Allez. Encore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de désherbant? Voilà. Nous, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu veux mourir? Bah, meurs. Allez, dépêche-toi. Par contre, ça part vite. Hein. Oh. Ah, il va falloir faire très, très, très attention parce que ça part très vite. Et il est même pas mort en plus, c'est ça le problème. Putain, il va falloir faire tranquille. Tranquille de chez tranquille. Alors là, il y a un passage. Là, il y a un autre passage. Ah, ça, ça mène au séjour de la dernière fois. Mais là, il y a un passage secret. Bon, pour le passage secret, on va d'abord libérer ça. Ah, je comprends même pas pourquoi il y avait ça. Eh, il m'attendait hein, en plus. Hein. Bon, bref. Donc, il y a ça. Qu'on va recharger à mort, histoire de plus avoir de munitions. Mais par contre,
On va garder ça parce que c'est pas qu'au bout d'un moment. Pièce antique, mon gars, nickel. Donc ça fait 7 sur 9. D'accord. Oh, salut toi. Oui, je me méfie un peu quand même. Hein. Oui. Maintenant ça suffit, Mia. Je veux des réponses. Je sais, tu as raison. Et j'ai toujours voulu t'en parler. Mais je ne me souviens que d'une partie. Le reste s'est envolé. Oh ah, ça dérange. J'embrasse maman juste une minute. Arrête pas planté là. Fais quelque chose. Ethan, au secours. D'accord. Ah, c'est la clé pour l'autre truc là. Ah, nickel. Allez, on y go. Ouais, et puis après, on va arrêter. Hein. On va sauvegarder tranquillement. Bon, bref. Mais qu'est-ce qu'il y a fout là, elle? Non. Bah, bouge, t'es con quoi. Est-ce qu'on peut y aller au couteau? Yes, ça marche. J'arrive. Je suis désolé, c'est un peu long. Mais au moins j'économise du carburant parce que c'est pas que ça part vite, mais quand même. T'es bon? T'es où? Ne respirez plus. C'est bon, ça n'existe plus. Vous avez pas respiré, c'est très gentil. Mais quel con... non, c'était pas par là. C'était de l'autre côté. Apparemment, il nous donnait la possibilité. Putain, je bug tellement que j'ai peur. Bon. Allez, de l'autre côté, hein. J'ai toujours peur de cet endroit-là. Bon, ici, on n'a plus de raison d'avoir peur. Par contre, il va falloir faire très attention. On n'a plus aucune munition de... Oh bordel de merde. Je ne vois pas. Elle m'a pas vu. Vite, on se casse. Ferme la porte. Tu n'as rien à faire ici, mon garçon. Elle vient pas, hein. Elle peut pas venir. Bon, vous savez quoi? Parce que là, j'avoue que ça commence à faire long. Je vais aller sauvegarder. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, voilà les amis. Du coup, on va se laisser avec l'autre folle. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas tout ce qu'il faut pour me faire un petit plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Resident Evil. Allez, ciao, bye.